tous, bon voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation de thème Cydia, surtout avec ce thème là assez spécial. C'est le thème d'un ami que je présente aujourd'hui qui est Softy, qui a été désigné par Caïs. C'est une personne vraiment agréable et sympa de parler avec lui surtout. Et je vais vous demander surtout de bien vouloir acheter le thème comment il se doit et non le voler sur une source piratage que sera vraiment, je dis bien, malhonnête de la part des personnes qui font ce système-là envers le développeur, je dis bien. Voilà. Nous allons passer surtout à la présentation du thème comme on le voit sur l'écran avant de vous dire. Les détails du thème, je vais vous inviter à venir me rejoindre dans le Twig Anemone qui se trouve à côté de l'application YouTube. Voilà, sur mon écran, qui est disponible sur mon écran. Pour ça, je vais rentrer dedans. Je vais vous faire montrer le réglage, à quoi ça ressemble surtout. Nous allons repartir. Voilà, c'est bon. J'ai positionner de cette façon-là le réglage pour avoir un thème surtout bien orienté et organisé, je dis bien. Voilà. Vous avez toute la panoplie qui est du thème à ce niveau-là, là où je suis. Je vais vous expliquer certains détails. Softy, comment s'appelle le premier paquet qui se trouve en haut, je dis bien, c'est là où ça va prendre en charge tous vos thèmes. Après, vous avez Softy Launch, c'est pour quand vous allez aller dans une page comme l'application App Store dans votre appareil, il aura une page avec le logo App Store. Voilà. Là, le boot logo, c'est l'icône de redémarrage au moment que vous allez redémarrer votre iPhone. Par un respring ou autre, vous aurez un logo par défaut en fait qui va remplacer surtout la pomme. Après, vous avez Softy Max, c'est un système qui va vous permettre d'avoir un contour autour de l'icône, je dis bien modifié comme ça au fur et à mesure du détail. Je vais vous expliquer tout ça correctement. Après, vous avez Softy Setting. 9, ça va être les icônes que vous avez sur votre écran d'accueil ici, je dis bien, va se représenter dans l'application réglage qui se trouve en haut avec le petit point 1 rouge. Voilà, nous allons aller dans l'application réglage pour vous faire montrer. Voilà, ça se contient comme ceci. C'est les logos officiels du thème. Voilà. Voilà pour ceci. Après, vous avez aussi les icônes qui sont sur cet écran-là. Le développeur a fait 137 icônes nouveaux pour ceci, pour améliorer le thème surtout, qui est vraiment génial. Voilà. Voilà, j'ai quelques pages sur mon iPhone avec les modifications des logos. Des icônes exactement. Après, j'ai surtout, je parlais de Launch Image. En fait, c'est quand vous allez dans une application comme ceci, il doit avoir une image de l'icône de l'application là où je suis allé. Mais le truc qui se trouve là, ça l'a pas fait. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le problème que je dispose surtout d'un iPhone 6S Plus. C'est avec le, je pense, le même problème pour l'iPhone 6 plus, il restera surtout, je pense, par la part du développeur, une modification, surtout dans une prochaine mise à jour, je dis bien. Et voilà. Maintenant, nous allons passer surtout, comme j'ai expliqué dans un moment, surtout dans l'application, dans la présentation, que là où je suis allé dans Anemone, c'est le Max. C'est-à-dire, ça va être comme on voit là sur l'écran de mes icônes, la forme de tous mes icônes ont changé. Voilà, si je l'enlève, je vais vous faire montrer. Voilà, je l'enlève et j'applique en haut sur ma droite et j'appuie. Voilà,
Ça, c'est le boot logo que je vais vous parler plus en détail après. Voilà. Maintenant, là, comme on le voit, les icônes ont carrément changé, sont plus la même forme, sont plutôt carrées, on va dire, et toujours le même max. Maintenant, nous allons retourner dans Anemone. Voilà, je rajoute surtout le boot logo, je vais vous le faire montrer ça après. Voilà. Là, comme on le voit là, je retourne sur la pomme. Voilà, et maintenant, la forme de mes icônes ont totalement changé, je dis bien. Ça, c'est vraiment, vraiment génial pour ça. Maintenant, qui se trouve, c'est maintenant de passer à la présentation du boot logo. Voilà, je retourne ici. Hop là, je remets le boot logo et j'applique surtout. Comme on a vu tout à l'heure, on était surtout sur la pomme et maintenant on se retrouve uniquement sur le logo officiel du thème Softie. Voilà. Nous allons retourner sur l'écran de verrouillage et nous allons passer sur l'écran d'accueil actuellement. Et voilà. Maintenant, surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce pour partager la vidéo sur les réseaux sociaux qui est disponible sur ma vidéo. Et puis, si vous avez aimé plus infiniment ma vidéo ou mes vidéos, je dis bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout en vous remerciant. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tous!